Une grande journée printanière qui s'annonce au menu soleil, ciel qui se dégage. In het Brusselse parlement hebben alle nieuwe parlementsleden ondertussen hun eet afgelegd. SMS qui annonce peut-être un nouvel emploi, c'est le nouvel outil d'Actiris. Bruxelles, ville aux multiples visages, capitale fédérale et européenne. À deux pas de la Grand Place se situe le siège du Parlement bruxellois. Alors, la première interpellation d'actualité est de M. Milicha à M. Mirki. C'est en 1989 que Bruxelles est devenue une région à part entière. Désormais, les habitants des 19 communes bruxelloises peuvent faire entendre leur voix dans leur région. C'est un parlement comme les autres. C'est un parlement où on vote des ordonnances, ça s'appelle des ordonnances, enfin ce sont les lois qui régissent un certain nombre de matières, et aussi on contrôle et on critique le gouvernement. Donc on fait jouer le jeu démocratique entre majorité et opposition. La région de Bruxelles-Capitale est un territoire bilingue. La cohabitation harmonieuse des différentes communautés est primordiale. La région est administrée par un gouvernement qui s'occupe de la gestion quotidienne. Il applique les lois régionales qu'on appelle ordonnances. C'est le Parlement qui vote les ordonnances. C'est aussi lui qui exerce un contrôle permanent sur le gouvernement. Actuellement, 72 élus francophones siègent ensemble avec 17 élus néerlandophones au Parlement bruxellois. Les élections régionales ont lieu tous les 5 ans. Nous avons un parlement très composite qui est le reflet d'une ville-région également extrêmement composite. On a vraiment tout le monde là-dedans, tous les points de vue. Et donc c'est très très important que chacun puisse parler. Avant qu'une nouvelle ordonnance n'entre en vigueur, elle doit passer par plusieurs filtres démocratiques. Quand un parlementaire ou le gouvernement veut proposer un nouveau texte, il doit d'abord le présenter au Parlement, dont l'agenda politique est établi par le bureau élargi. Het uitgebreid bureau heeft uitsluitend tot opdracht te onderzoeken of de vragen en interpellaties die parlementaire nemen of de voorstellen van ordonnantie, of dat deze wel binnen de bevoegdheid van het parlement vallen en of dat het geen repetita bis of een repetitatris of een non bis in idem is, niet altijd over hetzelfde. En dan wordt het doorverwezen of naar de openbare vergadering of naar de commissies. Une proposition d'ordonnance commence son parcours législatif par un examen en commission, c'est-à-dire un groupe restreint de députés qui se spécialise dans un domaine. Et c'est un sujet qui touche à terme, les fondamentaux de notre société. Aucune proposition n'a jamais été faite, je pense, ni par la région, ni par la STIP. Une commission doit mener des discussions, faire des recherches, étudier les textes et les amender. Elle consulte spécialistes et experts pour l'éclairer sur un projet défini. Il y a 7 commissions au sein du Parlement bruxellois. Vous allez voir, il y a des interpellations d'un peu tout le monde, un peu tous les bords, sur les sujets, notamment de l'application des directives européennes. C'est assez important pour l'instant, ça régit une bonne partie de notre existence. Et sur tout sujet que l'on veut amener en matière de fiscalité, notamment, on parle aussi de péage urbain. Donc on a un vaste champ dans une commission comme celle-là, on a un vaste champ de discussion. La région de Bruxelles-Capitale compte 19 communes qui ont chacune leur autonomie propre. Mais cette autonomie est contrôlée par la région via des ordonnances qui, par exemple, organisent la solidarité financière entre les communes ou les subventions pour améliorer la sécurité des citoyens et combattre la délinquance. Dans cette commission-ci, on parle beaucoup des relations entre la région et les communes, donc des sujets qui concernent tous les citoyens au niveau communal. Donc on peut parler de mobilité, on peut parler de finances, de fiscalité communale, ou de tous les sujets qui concernent les communes et donc les citoyens dans leur vie tous les jours. C'est la région de Bruxelles-Capitale qui assume l'entière responsabilité des transports. Port de Bruxelles, réseau routier, transport public. La région est également chargée des grands travaux d'infrastructure. Nous avons dernièrement parlé d'un projet très concret qui est celui du réaménagement du boulevard Léopold III qui se trouve à Evere et à Scarbeek. Il y a des travaux pour le tram,
Et il y a aussi des travaux qui doivent se mettre en place pour améliorer la circulation automobile, la sécurité des piétons et des vélos, et pour faire un vrai boulevard urbain de cet axe important de Bruxelles. L'emploi forme, avec le logement et la rénovation urbaine, un pan essentiel de la politique régionale. Le logement social, par exemple, permet à beaucoup de familles d'avoir accès à des habitations à des prix abordables. Nous abordons tous les problèmes qui concernent la politique du logement. Parce que les loyers sont beaucoup plus chers, parce que la population augmente et parce qu'on ne trouve pas assez de logements. Et donc, la Commission doit interpeller le gouvernement pour essayer de trouver des solutions. Bruxelles est une des villes les plus vertes d'Europe. La région de Bruxelles-Capitale consacre beaucoup d'énergie et de moyens à l'entretien et à l'extension de ses espaces verts. La qualité de l'air et de l'eau, ainsi que la gestion des déchets, sont aussi des compétences régionales. Brussel is een heel dichtbevolkte stad. Er zijn veel woningen die verwarmd worden met nog oude toestellen. En er is ook veel vervuilend verkeer. En daar moeten we voor zorgen dat het verkeer properder wordt en dat de verwarmingstoestellen ook minder impact hebben op het leefmilieu. Dus wij moeten zorgen als parlement, als verantwoordelijken, dat Brussel een aangenaam leefklimaat heeft voor mens en dier. La région de Bruxelles-Capitale possède une compétence étendue en matière d'aménagement du territoire et de protection des monuments et sites. C'est ainsi que la qualité de vie, le caractère propre et le patrimoine de la région bruxelloise peuvent être préservés. On ne pense pas tous la même chose de la ville. Donc il y a une série d'équilibres à trouver dans la ville entre le logement, les commerces, la mobilité, que tout le monde ne partage pas. Et donc ça, c'est vraiment le travail de la commission aménagement du territoire, c'est de se dire, est-ce que tous ensemble, tous les parlementaires, on a une même vision de la ville ? 89 députés bruxellois sont aussi appelés à siéger au sein de l'Assemblée réunie pour traiter des compétences communautaires liées à la santé et aux affaires sociales qui ne relèvent pas de l'une ou l'autre communauté. Par exemple, la lutte contre la pauvreté. Dus we hebben verschillende soorten instrumenten. Vragen, dat gaat over korte gevallen, over bijvoorbeeld een brand in een rusthuis. We hebben interpellaties die meer het politieke debat zijn, waar dat we het hebben over de nieuwe reglementering in zaken rusthuizen of over bijvoorbeeld de dakloze opvang in de winter. En we hebben dan heel lange debatten waar dat we ook mensen uit het werkterrein horen. Bijvoorbeeld rond het bedelen op de metro horen we de mensen op het werkterrein wat dat zij daarvan vinden en hoe dat we daar beter in kunnen. Après le travail en commission, chaque projet d'ordonnance arrive à l'Assemblée plénière. Ici encore, on prend le temps de débattre. Chaque député peut demander la parole et faire ainsi entendre sa voix dans le débat. Il a aussi le droit d'introduire des amendements, c'est-à-dire des adaptations ou des compléments. Chaque parlementaire peut aussi interroger un ministre sur la politique menée. Ministre et secrétaire d'État doivent répondre aux questions. Monsieur le secrétaire d'État, certains de mes collègues vous ont déjà interpellé sur la question générale de l'agence Bruxelles Propreté. Parce que, justement, d'ici la fin du mois d'avril, les travailleurs de l'agence doivent récupérer leur congé. Une fois que l'examen en séance plénière est terminé, on peut enfin procéder au vote. 20 stemmen tegen, 2 onthoudingen sur un total de 82 votants. Donc cette ordonnance est adoptée. Via les parlementaires, les citoyens bruxellois exercent un contrôle régulier sur leur gouvernement régional.
Depuis 1989, une centaine d'ordonnances ont été adoptées. Elles sont à la base d'un véritable droit régional bruxellois qui a largement construit l'avenir de la région.